Bonjour à tous et bon matin. Bienvenue à ce jeu Stranded Deep. Mon nom est Monsieur Doob. Alors, quelle journée que j'ai passée hier, franchement, et puis une nuit qui n'a pas été beaucoup plus agréable. Donc, j'ai réussi à guérir finalement. C'était le sunstroke. Alors, le coup de soleil que j'ai eu a tellement été fort que ça a duré quasiment toute la nuit. Il a fallu que je nourrisse mon petit bonhomme de viande. J'ai fallu que je lui donne de l'eau. Et ceci était constant. Alors, oui. Ça a été toute une nuit. Et puis, évidemment, bien, la morsure du requin et la morsure du serpent, ben, a pas aidé la cause, hein? Alors, j'ai commencé quand même à faire un peu de ménage, à dire, bon, qu'est-ce qu'on va remporter? Alors, ça, c'est sûr qu'on rapporte. Ça, c'est mes lances. Ça, c'est, oui, on rapporte aussi. Et puis mes deux boîtes, mes lances. Maintenant, il me reste quelques petits items. Ça va être pratique pour plus tard. Ok. Alors, je vais prendre ça parce que, honnêtement, là, j'en ai de besoin. Ah, c'était horrible. Ok, alors je peux emporter le cuir, mais on va attendre un peu avant de d'emporter quoi que ce soit. Le cuir, là, j'ai comme l'impression là, qu'on va en avoir une quantité industrielle. Mais qu'est-ce qu'on... Bon, ok, merci. Alors, oui. Et oui. Non. Continue à cuire, mon ami. C'est ça là que je vais avoir. Bon, finalement, je pense que c'est la première fois que j'entends bip bip faire un bruit. Ok, alors j'ai... donc, on avait découvert juste avant de quitter qu'il y avait un navire ici. Le soir, c'est beaucoup plus pratique de voir les bulles, mais le jour... Est-ce que je vais être capable de trouver les bubbles? Où est-ce qu'ils sont les bubbles? Ok, ils sont juste devant nous. Le voilà. Oh, nice! Des bouées. Ça, ça va être excellent. Alors, on prend ça. Il y a des bouées. Il y a une caisse. Parfait. J'espère que Monsieur Requin va nous laisser tranquille, là. On en a assez. Et une caisse. Ça ici. Oh, oui, il y a une caisse là, mais je sais pas comment aller la chercher. Oh, poisson. Va pas se faire empoisonner. J'ai plus rien. Rien. On va se prendre les bouées. Ça, c'est toujours bon. Les bouées, là. Faut jamais passer à côté des bouées. Puis c'est faux parce que j'ai passé très souvent à côté des bouées. Ok. Bon, serpent. Ok, comment je fais pour rentrer ici? Est-ce que je peux? Parce qu'il y a une caisse juste en dessous. Je la vois. Est-ce que je peux rentrer ici? Attention, pour pas trouver de piquant. Ok. Est-ce que... Non. Ça va être difficile de rentrer. Ok, vas-y. Nage, mon ami. Nage. En avant, y a-t-il quelque chose? Oups, y a un piquant. Ça, je le vois. Ben, y a pas de trou. C'est triste parce que y a une caisse, là. Je la vois. Elle est juste là. Aucun moyen d'aller la chercher, ça, c'est sûr et certain. Bon, ben, on oublie. Oui, vas-y, mon ami, prends ton air.
Et durant la nuit, j'ai vu aussi un autre endroit où est-ce qu'il y avait des bubules. Oui, là-bas. Je ne sais pas si c'est des bubules que j'ai déjà faites. On va juste aller regarder parce que je pense que ça va être nos dernières épaves, si jamais c'est le cas. Oh, ça c'est loin, ça. Non, ok. Alors, des pneus. Oh boy. Toutes plein de bonnes choses. Ok, on va aller s'installer ici. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de me dire: agrandis ton radeau! ok. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Alors, il y a... Oh, la nourriture, ça c'est bon. Deux fois de nourriture. Ok, excellent. Ok, ça c'est des... Oh, non. Alright. Seigneur. C'est comme ça me tente vraiment pas me faire mordre par quoi que ce soit ou me faire empoisonner par quoi que ce soit. Je viens juste d'être capable de passer une journée plus ou moins confortable. Bon, mais jusqu'à date, on est tranquille là, du monsieur requin. Ça c'est bon. C'était-tu mon radeau? Est-ce qu'il était un pneu et deux barils? C'était-tu ça? Hop, quelque chose n'est pas. Bon, voyons voir qu'est-ce qu'on peut acquérir ici. On a une caisse, du cuir, marteau, ça c'est bon. Ah non! Le bordel de requin est revenu. Je peux pas subir. Ben, une blessure, ça c'est correct pour un requin parce que je peux me guérir. Ben, je peux pas faire de linge parce que j'ai pas de linge, mais. Fait que c'est quoi? On va faire attention. Hein? Je pense que ça, c'est la meilleure chose à faire. Bon, qu'est-ce qu'il y avait dans la caisse? Un marteau? Non. Oh, nourriture. Nice. Est-ce qu'ils sont les autres caisses? Ils sont là. Ça, plus ou moins. On va faire du ménage. Oh oui, il faut vérifier. L'ultraviolet. Oh non, c'est médium aujourd'hui. Excellent. Ok, ça, je sais que t'es quelque part, toi. Ici. Excellent. Ça, une case vide, ça. Ok, on va dessus pour le le troisième pneu. On y va. Prends une chance. Ok, on va regarder où est-ce qu'il y a le requin. T'entends pas de musique en tout cas. Ah, ça c'est bon. Monsieur Requin a décidé de nous laisser tranquille. Excellent. Ok. Maintenant, il nous reste quelques petites surprises.
Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Si on peut ne pas faire face au monsieur requin, ce serait excellent. Alors, les pneus est fait, la chambre intérieure, elle est faite en bas. Attention. Duct tape, c'est bon. Ok. La morue me fait toujours comme rire parce que je pense toujours c'est le poisson lion. Oh, ça c'est quoi ça? Non, le requin. Ok. Allez. Nage. C'est bon. Alors, cuir, marteau, ça, patati, patata. Ok. Bon, ok. Si je coupe en travers, ça devrait être plus rapide, hein? Ouais, je suis juste ici. Parler de rapidité. Bon, on va amener les choses tous à la même place. Oh, faut pas que j'oublie les pommes de terre. Ça sera bon pour un éventuel. Pourquoi tu vas te déranger mes affaires? Elles sont toutes bien droites là. Où est-ce que. Ok, pomme de terre. Mais je pense qu'on a pas mal terminé avec cette île ici. Ça, ici, on pourra y revenir plus tard. C'est quoi mon radeau? Ah oui, voyez-vous le radeau? Alors, je peux faire la même chose, mais... I don't know. Alors, je peux mettre en avant un autre pneu et deux autres barils. Sans problème, mais je sais pas. Moi, j'aime ça quand mon radeau est petit. Ok, ça, j'en veux pas. Pas tout le monde doit être prêt, là. Pas ce qui est arrivé, mais c'est pas grave. Ok. Ça. Comment qu'on est? Ouais. Beaucoup mieux en tout cas. Ok. Hop, j'ai oublié de remplir lui. Tatati. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Ok, on fait juste checker voir si. Dernière petite vérification. Peut-être des pommes de terre. Il y a beaucoup de bonnes, de très très bonnes ressources sur cette île, mais là, présentement, c'est pas quelque chose que j'ai de besoin. Mais juste une dernière. Je ramasse mes caisses et puis. On se prépare à revenir à la base. C'est valable qu'il n'y a pas de plan de pipi. Hop. Ah, j'ai comme l'impression qu'on avait déjà mangé les pommes de terre. Bon, ben, je pense qu'on a tous. Les pommes de terre ont tous été pris, là. Je les vois pas. S'il y en a, on va revenir de toute façon, puisqu'il y a encore beaucoup de ressources à l'intérieur. Donc, mes chers amis, 15h30 de l'après-midi, beaucoup de clarté, mais ceci me permet de faire des plus petites vidéos, puisque c'est très long à uploader sur le YouTube. Alors, je fais le va-et-vient fort possible. De mon île à celle-là. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout emporter ça d'un coup, mais je vais revenir parce que je ne laisse rien de côté. Alors, avec ça, on va faire une sauvegarde avant. On a fait quand même beaucoup de progrès. Alors, avec ça, mes amis, je vous dis
un grand merci d'avoir participé avec moi à ce jeu Stranded Deep. Mon nom est Monsieur Doob. Et on se voit à la prochaine.